Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit tour de vos énergies de ce 14 janvier. Allez, c'est parti, on va découvrir vos cartes ensemble. On commence ici avec la passion, la nature et le couple. Ici, on vous dit qu'effectivement, c'est une journée qui va se révéler assez, intense au niveau d'une relation ou d'un partenariat. Ici, il y a quelque chose avec la nature. On nous parle aussi d'une authenticité, d'un ancrage, de quelque chose ici de solide, hein, et de sain, j'ai envie de dire. Moi, ça m'inspire cette... ce terreau sain, vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec l'enseignement, effectivement, il y a une progression, il y a une élévation, pardon, à savoir une connaissance ici qui vient justement permettre cette puissance dans l'énergie. Il y a ici le feu, la passion. On voit vraiment que c'est une journée qui va être extrêmement, je dirais, dynamique, dynamique et intense. Ici, on a effectivement le nouveau départ. Le nouveau départ dans ce couple, dans ce partenariat, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Ici, on a quelque chose de très, très, très intense qui se met en place avec une énergie d'action ici très, très forte. Quelque chose de très... qui, à mon avis, va sur le long terme vraiment permettre justement cette progression, cette élévation, mais vraiment... sur quelque chose de très, je dirais, stable. Et c'est une situation pérenne qui se met en place. Voilà, tout simplement. Allez. Ici, on a le cavalier au niveau professionnel. On a le serpent. On a les nuages. Bon, ici, le cavalier est en train de nous dire qu'effectivement, le vent est en train de tourner en votre faveur, qu'une éclaircie ici pointe à l'horizon, justement. C'est peut-être parce que c'est la fin de semaine aussi et que, voilà, vous avez fini votre semaine, vous allez pouvoir, je dirais, vous détendre. Et peut-être aussi cette intensité, peut-être justement au niveau de ce couple. Hein. En tout cas, on voit ici que la situation est en train de changer. Ici, le cavalier vous annonce tout simplement la fin de quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu difficile, un petit peu fatigant. Donc, tenez bon, tenez bon. Ici, le nuage, il est en train de passer et c'est l'éclaircie qui arrive. Hein. Allez, au niveau relationnel, on a le magnétisme. Ouh, moi, j'ai l'impression qu'ici, en fait, au niveau général, on nous parlait essentiellement de vos relations intimes. Ici, on a une attirance physique, une attraction incontrôlable même. On a le conte de fées, on a la tête dans les nuages, hein, tout simplement. Et ici, on a l'union sacrée. Ouh, alors, pour certains ou certaines d'entre vous, on a rencontré quelqu'un, on a les papillons dans le ventre. Et puis, pour les couples qui sont déjà installés ici, j'ai l'impression que les énergies vous sont extrêmement favorables pour vivre un week-end plutôt intense et plutôt, je dirais, assez... C'est un week-end, j'ai l'impression, qui s'annonce, une journée qui annonce un week-end vraiment radieux au niveau relationnel pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.